Hey yo les gars, c'est X-Fighter, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Comme vous voyez, le mode chaos d'hypercharge est de retour et on a pas mal de brawlers à tester dans ce mode de jeu. Il y a d'ailleurs le nouveau brawler et on a en plus, du coup, on est à une hypercharge à activer, d'obtenir un prix star d'hypercharge dans lequel on a moyen d'avoir... on a forcément une hypercharge, donc vraiment faites-le même si vous n'avez pas forcément les brawlers ou pouvoir 11 ou quoi. Faites-le quand même parce que c'est vraiment vraiment rentable et vous verrez que quand vous aurez un brawler pouvoir 11, ça vous sera utile. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse donc cette dernière partie pour obtenir l'hypercharge avec vous. Donc j'espère avoir une bonne hypercharge. Personnellement, moi je trouve que la meilleure hypercharge c'est celle de Colette. Il y a beaucoup qui disent celle de Lou. Alors c'est vrai que celle de Lou elle est pas mal, mais moi en vrai je préfère celle de Colette, je trouve qu'elle est super forte et en plus je trouve que c'est grave stylé parce que ça fait un... moi je trouve ça plutôt stylé quand on utilise son pouvoir et c'est surtout très fort en braquage. En fait ça fait beaucoup de dégâts au coffre. Alors comme vous voyez, on est sur la nouvelle map du Bizarre Circus, c'est à dire la prochaine saison. Alors on va faire le petit combo que j'aime bien faire avec ce brawler et que beaucoup de monde fait, le gadget plus le pouvoir star. Mais vous voyez qu'en vrai la map, moi je la trouve vraiment vraiment très stylée. Je trouve qu'ils ont fait un bon taf pour cette saison et le nouveau brawler a l'air vraiment super fort. Comme vous voyez, il a un gadget qui permet d'envoyer des araignées qui font pas mal de dégâts. Au début je pensais que c'était un peu comme Eve. Ok, vous avez vu l'hypercharge, comment ça fait beaucoup de dégâts. Pour moi Maisie c'est top 3 aussi, hein. Pour moi le top 3 c'est Maisie, Colette et Lou. Pour moi c'est les meilleurs brawlers hyper chargés, je les trouve vraiment grave forts. Vous avez vu qu'avec Maisie ça a fait beaucoup de dégâts, ça a fait 3000 à deux persos. Et puis vous avez vu, on peut faire des bonnes combinaisons avec ce brawler. Donc déjà vu qu'on a déjà activé une hypercharge, ça veut dire qu'on aura forcément le prix star à la fin de la game. Donc on aura forcément une nouvelle hypercharge, peut-être une bien, peut-être que ça sera pas trop ouf. Ou peut-être qu'on peut tomber sur une ancienne hypercharge. Alors je préférerais tomber sur une nouvelle, mais il y a des anciennes qui sont pas mal, comme celle de Boule ou celle de Colt, qui sont plutôt bien. Alors le coffre adverse est à 19%. Comme vous voyez, les adversaires ont pas mis trop de dégâts. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du nouveau brawler. Est-ce que vous le trouvez fort. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à rejoindre mon serveur Discord. Dessus on peut parler, on peut voque, on peut faire des trucs comme ça. Ça peut être utile pour certaines vidéos, pour des giveaways, des trucs comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre. Et si vous voulez rejoindre mon club, aussi vous pouvez aller sur le Discord ou le rejoindre directement. Il y a l'idée qui est dessus. Voilà, si vous voulez rejoindre, n'hésitez pas. Ou m'ajouter un ami. Mais bref, voilà, c'était le petit instant. Le petit instant pub, voilà, enfin pub, même si c'est ma chaîne, voilà quoi. Mais voilà, c'est le petit instant de dire ça. En tout cas, il reste 20 secondes. Pour l'instant, on gagne. Alors, vous avez vu le cocon et tout ça. Je trouve que vraiment, le brawler est beaucoup trop cheaté. Ce que je me demande, c'est en survivant, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ce brawler va donner? Parce que ça veut dire que tu pourras plus rien faire. Et vous avez vu la Colette qui a enlevé tous les derniers pourcents. Pour ça que je trouve ce brawler plutôt fort. Et on a terminé le défi de l'hypercharge. On a ce beau petit freestyle hypercharge. Alors, je trouve vraiment qu'il est stylé. Je vous propose qu'on l'ouvre. 3, 2, 1, c'est parti. Et on a l'hypercharge de Boule. Alors, je la trouve bien, même si j'aurais préféré une nouvelle. C'est pas mal, ça réduit quand même de 80% les dégâts reçus. Alors, en plus, je crois que j'ai... c'est parfait. On a Boule pouvoir 11 sur ce compte. Alors, c'est mon compte secondaire. C'est normal que j'ai pas beaucoup de brawlers, pas beaucoup de trophées, etc. J'ai quand même quelques rangs 25 dessus, mais voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de faire une game où on va tomber sur le nouveau brawler. Comme ça, on va pouvoir le tester ensemble parce que je l'ai même pas encore testé. Donc, c'est parti. Regardez, les gars, j'étais en train de faire des games pour essayer de tomber sur le nouveau brawler et je tombe sur un Pristar légendaire. Alors, je vous propose qu'on l'ouvre. 3, 2, 1, let's go. Et on a du coup, un gadget lampe solaire. Bon, j'aurais préféré un brawler, mais bon, c'est pas grave. Ok les gars, du coup on est parti pour une petite game avec le nouveau brawler. J'ai eu vraiment de la chance, alors j'ai fait beaucoup de games pour essayer de tomber dessus. Mais on va pouvoir le tester ensemble. Alors comme vous voyez, elle envoie un espèce de yo-yo. Un petit peu comme Karl, mais ce que je trouve meilleur que Karl, c'est le fait que dès que tu touches un ennemi, en fait vous avez vu que ça revient beaucoup plus rapidement. Et le meilleur sur ce brawler, c'est qu'en fait c'est un brawler français, voilà. Le brawler, enfin les voix du brawler sont français.
enfin française plutôt. Et comme vous voyez, on a du coup le petit gadget pour envoyer des araignées, le pouvoir, enfin oui, le super pouvoir qui permet de faire un cocon, comme vous voyez, l'adversaire est bloqué dedans. Et bah si personne le libère, il va perdre beaucoup beaucoup de vie. Alors c'est ça que je disais, c'est qu'en fait en survivant, comment tu fais? Parce que si personne te libère, quand tu sors, t'as presque plus de vie et tu te fais automatiquement défoncer. Alors je pense que ça va vraiment être un brawler plutôt fort. À voir un petit peu comment ça va être, est-ce qu'il va être beaucoup trop cheaté, est-ce qu'il va pas être si ouf que ça, est-ce que, je sais pas, on verra ça quand la nouvelle saison sortira. Je vous ferai une vidéo pour ceux que ça intéressera, mais en tout cas pour l'instant je trouve vraiment le brawler vraiment facile à jouer, parce qu'il y a certains brawlers comme Chuck qui sont vraiment très durs à jouer, même s'ils sont forts, ils sont plutôt durs à jouer. Alors on va essayer de mettre l'hypercharge avec l'ulti en même temps, pour que comme ça on puisse l'essayer, parce que j'ai pas encore réussi à l'activer avec le pouvoir star en même temps, c'est un peu compliqué je vous avoue. Ok, bon, je l'ai activé, mais un petit peu trop tard. J'aurais dû la mettre avant de mettre le cocon, mais en tout cas... Ok, mais okay, mon allié qui troll. Super, il faudrait marquer, mec. Il faudrait marquer. Eh bah, yes, il est mort. Oh, ok, c'est bon, il a marqué, ok. J'ai quand même peur qu'il ait un peu trollé. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez vraiment. Ça m'intéresserait de savoir si vous le trouvez plutôt fort ou pas. Et est-ce que vous avez Chuck? Voilà, je vous pose cette question. Est-ce que vous avez Chuck? Parce que moi, je l'ai. Et je le trouve vraiment beaucoup trop dur à jouer. Alors que là, vraiment, je pense que c'est un brawler un petit peu comme Karl. Mais voilà, c'est ce qui est bien, c'est qu'en fait, Brawl Stars sort des brawlers. Oh yes, vous avez vu le cocon, comment ça m'a sauvé? C'est Brawl Stars sort des... Enfin, Supercell sort des brawlers. Un petit peu avec certaines mêmes attaques que d'autres brawlers, mais tout le temps avec un pouvoir star, avec une mécanique un petit peu qui change. Et ça, je trouve ça bien. Bon, malheureusement, on va se prendre un but. Faut pas abuser quand même, mais voilà. Je trouve ça plutôt stylé. Il reste 15 secondes, mais ouais, le brawler parle français, c'est ça qui est bien. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, ok, bah, enfin un brawler qui parle français. J'ai vu ça sur certaines vidéos. Du coup, voilà, à voir s'il va être bien ou pas. Il y a moyen que s'il est bien, on le montre en 25 et tout ça, et je vous fasse peut-être une vidéo pour vous aider à le monter. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce brawler. Je le trouve vraiment fort, alors je vous propose qu'on se retrouve au lobby. Bon bah voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé, franchement le nouveau brawler est plutôt pas mal, et les hypercharges sur les nouveaux brawlers aussi, ça fait plaisir, on a eu une nouvelle hypercharge bah, sur mon compte secondaire, sur mon compte principal j'ai eu une hypercharge de Colt si je me souviens bien, mais voilà, sur ce du coup c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça ferait vraiment super plaisir, on rush les 6000 abonnés, et sur ce je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, salut!